Bonjour, 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 bon matin à tous. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Parfaitement. Yvette, maman, comment ça va? Comment vous allez? Bon, on va faire le bilan de la semaine, comme on dit. On va parler de tout ce qui est sur la toile pour la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi. Quand on envoie sur la toile, nous, on s'en occupe. Ça, c'est clair. Le café n'est pas chaud aujourd'hui. Mon Dieu, j'aurais dû envoyer un message à Bertine pour lui dire. Si Inès, vous allez bien? Je vais le mettre un peu au micro-ondes, ce que j'aime pas. Il n'est pas chaud, il n'est pas chaud. 30 secondes. Okay. Marie-Jo et Sam, vous allez bien? Partagez déjà, partagez. Bon, aujourd'hui, c'est journée pyjama. On va manger des croustilles, des fruits. Ok, j'espère que c'est chaud. Voilà, là, c'est bon. Sanogo Soul, comment va? Zouzoua. Wow, Zomadré. Zomadré, ça, c'est chez moi, ça. Zomadré, embêté, ça veut dire... prends courage. Ouais, prends courage, serre le cœur, Zomadré. Leila, Diane Gossé, comment va? Vous allez bien? Partagez, partagez juste un peu et puis bon. On va... Attends, je vais voir si c'est partagé sur la deuxième page. Mon Dieu, je ne sais même pas comment on fait pour partager. Quand tu n'es pas dans un groupe, c'est grave. Hein? Je vais voir si c'est partagé sur Monique Azé de la grande page. Aïe, on va partager ici. Pourquoi ça ne s'est pas monté là? Ah, Gessan, je suis obligée d'aller te déranger, hein, parce que ce que tu m'as montré, là. Comment ça, la vidéo n'est pas ici? Bon, comment vous allez? Pascal Medina Seri, vous allez bien? Bertine Payet, merci beaucoup, tu es là. Épingler le commentaire. Marine Baka. Bonjour, bon matin à tous. Bon. Aujourd'hui, c'est ma journée pyjama. Donc, je suis en pyjama. Mon Dieu, c'est confortable. Marine Baka. Tu regardes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais prendre le peuple Facebook à témoin. Je vais prendre mes abonnés à témoin. Marine Baka, c'était la représentante de mes ventes de paille à Paris. C'est comme, maintenant, là, on est rendu là. Pendant que ce n'est pas encore arrivé chez d'autres blogueurs. Hein, c'est comme ça que vous faites. Parfois, vous manipulez les blogueurs. Et puis après, quand il y a un frou-frou entre vous, vous prenez, vous envoyez chez certains blogueurs. Comme ce n'est pas encore arrivé là-bas, je t'ai donné plusieurs chances. Bertine, comment on appelle ça? Edith Tifon, je sais que tu vas prendre la vidéo en cours. Je t'ai donné plusieurs chances. Je m'épargne avec toi. J'ai l'argent que certains impactés ont payé. Oui, il y a une dame à Paris qui a dit, comme elle n'a pas besoin d'épargne, elle paye pour contribuer, comme a fait M. Joseph Agatino. Comme a fait aussi ma belle-sœur, comment elle s'appelle? Oh, j'oublie tellement celle-là. Ok, ma belle-sœur à Paris, la petite gourou là.
Et depuis lors, tu as, je peux aujourd'hui dire que tu as pris la... Ça dit, je vais peser encore mes mots. Depuis lors, je te cours après pour que tu restitues les pagnes. Mes amis, partagez la vidéo. Partagez pour que la vidéo monte. S'il vous plaît. Partagez. Je crois que je vais arrêter même de parler déjà. J'ai trois sujets dont je vais parler. Les enfants Arafat, maman bleue Brigitte. Et puis, le sujet où, ça dit, où on nous donne du travail sur les réseaux sociaux. Tant que ça vient, nous, on va parler. Voilà. Ma chérie, je t'ai rejoint. Je t'ai envoyé des messages. Hein? Je bois le café. Toi qui m'envoyais, qui m'a laissé le message sur ma page. Ma chérie, la prochaine fois, je vais descendre sur toi, Béret. Je te dis, tu as vu que je t'ai ramené ta photo à celle de ton enfant. La prochaine fois, là, je te prends et puis je te traite. Chérie, je te traite comme je sais le faire, là. Dans une vidéo ici en direct, avec ton nom, avec ton profil. Je vous ai dit, si vous souffrez, allez ailleurs. Un yama wazi. Je ne vous ai pas appelé ici. Vous comprenez? Ok. Des misérables comme ça, vous êtes déséquilibrés dans vos vies. C'est sur les pages déjà, vous venez pour vous exhiber. Je t'ai toléré. La prochaine fois, je te prends, je te traite en bêté et puis je te traite en français avec ta photo, ton image comme ça en direct. J'ai déjà fait ça ici. Hein? J'ai fait ça une ici au Canada. Elle m'a rappelé après. Ok, fine. Marine Baka. Je t'interpelle ici encore une fois de plus. Quand j'ai envoyé mes pagnes là, il y a certaines femmes qui ont dit il y a photo dedans, elles ne payent pas. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres aussi qui ont dit, même s'il y a photo dedans, tu es notre impactée, très forte. D'autres ont dit, bon, comme affaire de couturier, c'est compliqué ici. Donc moi, je vais, comme on appelle ça, je vais donner de l'argent. Et il y a beaucoup qui donnent de l'argent comme ça. Merci encore à vous. Qui n'aviez pas besoin, mais qui contribue avec de l'argent. Donc, il y a une dame à Paris. Oui, ma chérie, vous, cette dame me suit toujours. Donc, il faut que j'en parle. Ma chérie, je n'ai pas encore reçu ton argent parce que Marine Baka, avant, c'était, oh, j'ai eu le COVID. Ah, j'ai tant, tant, tant. Hey, maman, je vais t'envoyer l'argent. Comme ça tarde. Et puis, des gens ont déjà payé. Il y a ma fille, à moi, c'est Seigneur qui a payé. Tu as payé le pain. Tu n'as pas restitué son pain. On était obligé de voir Edith Tiffon pour que son pain lui soit restitué. Ma chérie, tu n'es pas obligé de payer le pain. Restitue ce que tu as là-bas. Ça continue. C'est comme ça, vous n'êtes pas sérieuse. C'est ça. Hein? Toi, Marine, tu me rejoins. Ça dit, c'est le même scénario qui s'était produit. Quand vous me rejoignez là, vous critiquez ce que je critique en France là-bas. Le comportement que je critique sur certains comportements de nos frères et nos soeurs africaines. Quand mes vidéos vous plaisent, vous venez vers mon maman. Ce que tu as dit, ou bien tata, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est comme ça que vous me donnez la confiance. Après, ça devient autre chose. Please. Please. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais rentre en contact avec moi. C'est ce qu'il a dit. Ça là. Je ne vous ai pas appelé. La preuve, quand je finis de faire mes vidéos, après, mes vidéos montent. Voilà, mes vidéos que je fais là. Depuis que j'ai réglé le premier sur la petite page et puis on va dans la deuxième page. Mes vidéos montent de tout. Toutes les vidéos que je fais, c'est 40 000 vues. Jusqu'à 100 000 vues. Donc, arrêtez un peu. On y a manwazi. Je ne vous ai pas appelé ici. Voilà. C'est ça que ça. L'immigration, comme j'ai dit là, je ne parle plus immigration. Je parle avec ceux. Je ne parle pas immigration en ce moment. Je parle avec ceux qui ont des contrats avec nous. Les clients de M. Magadji, si vous avez des préoccupations, vous venez. Parce que j'ai vu des commentaires, il y a bien un commentaire là-bas. C'est à cause de tout ça, il dit maintenant, je ne parle plus. On attend, nous tous, on croise les doigts. Quand on signe les contrats, je vais relancer l'immigration. Les contrats, on m'a envoyé des messages, mais j'ai dit que tant que ce qu'on a signé, on a envoyé au gouvernement, n'est pas encore sorti, je ne fais plus publicité de contrats. Sinon, actuellement, il y a les contrats. Ainsi va la vie. Vous avez voulu entacher ma réputation, non? Mais c'est ça qui est là. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye les conséquences. Sur cette tablette-là, si je ne m'abuse, il y a au moins 600 messages. 600 messages de ceux qui attendent. Pour que je leur réponde, affaire d'immigration. Mais il ne répond plus. J'ai même dit 600. Voilà. 999. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là où c'est vert.
Tout ça, c'est les messages d'immigration. Mais il ne répond pas. Voilà, c'est ça. Mes amis, bon, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi combien? Vendredi 9. Oui, vendredi 9 décembre. Moi, j'ai une journée pyjama avec mes loulous. On va manger un peu de croustilles. Ouais, ils vont être heureux aujourd'hui avec des fruits. Ouais. Je leur ai dit hier, quand vous venez, il y aura une table bien dressée de croustilles et puis des fruits. C'est vrai, Monique? J'ai dit oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que vous me voyez en pyjama quand je finis. Je fais mon travail. Ouais, le continent, toujours on attend. Vous m'envoyez les messages. Continuez de m'envoyer les messages. Moi-même, je vous parle là, c'est chaud sur moi, elle est là. C'est très chaud sur moi parce que c'est pas encore arrivé. Je croise les doigts, tout et tout. Bref. Mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vois que vous êtes là. Le nombre qui est là, moi, ça me convient. Ouais. On a vu dans la semaine, c'est-à-dire, je pense mercredi, jeudi, il y a eu quelque chose qui est apparu sur les réseaux sociaux. Bon, les enfants de Digi Arafat ont été exposés par Apuchu National. Il a fait un post après, bon, il y a eu des trucs, le post a été supprimé. Je crois après ça, il a fait un direct, tout et tout dans le direct, il s'est excusé. Donc, s'il s'est excusé, comme je disais aussi aux gens de mon entourage, c'est correct, s'il s'est déjà excusé. Mais, quand j'ai fait ma réconciliation avec Apuchu National, il y a quelque chose que j'ai dit. J'ai dit... Mon mari et moi, nous, on te pardonne parce que tu as un bon fond, tu as un bon petit, mais tu vas toujours faire des incartades. Ma vidéo est encore là. Les gouttes, tu vas toujours les faire parce que tu es fougueux. Et quand on est fougueux, parfois, on fait toujours des dérapages. Ça arrive. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux. J'ai toujours dit, quelqu'un qui commet son erreur, s'il vient réparer automatiquement, moi, je n'ai plus rien à dire. Donc, à ce sujet-là, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Cependant, il y a un élément qui est sorti. Il y a un élément qui est sorti dedans. C'est la crise d'adolescence. Ouais, c'est là que je m'en viens. C'est pas pour parler du sujet des enfants. Quoi qu'on dise, on avait parlé de la petite Fabienne. La façon dont les choses se sont présentées. On avait essayé. Moi, je revenais de la convalescence. Donc, j'avais pas trop parlé dans ce dossier. J'avais juste parlé un peu. On en avait parlé parce que ça s'est passé en Afrique. Ça s'est passé au Maroc. Donc, on avait essayé de tambouriner pour que ça prenne, pour que bon, les autorités puissent rentrer dedans. C'est comme ça qu'on s'est impliqué dedans. Sinon, quoi qu'on dise là, quand il s'agit d'enfants mineurs, la confidentialité est de mise. Ça là, c'est non négociable. Ah oui, je le dis. Un enfant, ça dit qu'il est encore mineur. Quand je parle de mineur, moi je vais dans 16 ans, 17 ans là. Jusqu'à peut-être on va tomber, ouais, quand on tombe dans le 18 ans ici au Canada. On ne peut pas venir parler de ça sur les réseaux sociaux comme ça, avec, surtout que c'est en France ici, c'était vraiment pas nécessaire de venir en parler. Parce que ici, déjà, si ça s'est passé ici, ça veut dire que la loi est déjà dedans. Mais là-bas où ça s'est passé au Maroc, il n'y avait pas la loi dedans. La preuve, nous autres, on a interpellé les pages qui avaient mis la photo de la petite Fabienne sur là. On leur a dit que ce n'est pas correct ce que vous faites, ça ne se fait pas. L'enfant mineur aussi a ses droits. Elle a droit à protéger son image, même dans un scandale. Donc, je crois que c'est ça, c'est ça. Malheureusement, on ne devrait même pas en entendre parler sur les réseaux sociaux parce que la mère est là, la grand-mère est là, tout et tout. Donc, ça répondait à quel besoin de venir en parler comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis après, bon, effacer le poste, présenter des excuses. C'est correct. Nous autres, on dit c'est fine. Là où je viens maintenant intervenir ce matin, il y a quelque chose qui est sorti. La crise d'adolescence. Partagez le direct. Actuellement, je suis dans ma maison, je suis confrontée à une crise d'adolescence. Les bagages ne sont pas encore arrivés. Nous, on a pris... Oui, vous êtes mes impactés. Je sais que vous aimez Wendy. Donc, je vais vous... On a pris... Son père a pris le billet pour qu'on voyage. Il a dit, bon, comme moi, j'ai voyagé durant le temps durant l'été, vous n'avez pas voyagé. Vous allez aller aux États. Puis aux États, j'ai ma famille, il a sa famille là-bas. J'ai ma petite soeur dans l'Ohio. Vous allez aller aux États. Oh, qui m'a envoyé des étoiles? Merci beaucoup. Merci, c'est gentil à vous. Vous allez aller aux États et puis bon, moi, je vais travailler.
Bon, mes bagages sont en train de venir. Bagages, j'ai accusé du retard. Voilà, jusqu'à présent. Bagages devaient être là depuis le 29. Vous qui m'avez déjà rejoint. Les bagages, j'ai accusé du retard. J'ai juste fait sortir de ma bouche que, ah, ça là, son papa et moi, on a dit, on mangeait ici, puis on a dit, ah, ça se peut que vous n'êtes pas parti, papa. Si les bagages arrivent comme le 15 ou le 17 ou le 20, ça va être trop coincé, surtout que c'était les bagages de fête. Oui, je suis dans cette maison, on ne me parle plus. Est-ce que c'est ma faute? Et puis moi, on ne me parle pas. Je vous montre un problème de crise d'adolescence. On me répond que quand je parle, on dit oui, maman. C'est plus comme avant, les causeries, des trucs. Elle vient, on finit de manger, c'est qu'elle doit laver, faire sa vaisselle, tout et tout. J'ai dit, mais, Jésus, c'est comment? Non, ça va, tout va bien. Donc, je l'ai abordé pour lui dire, mais, j'ai l'impression que tu es un peu fâché. Elle dit que oui, je suis fâché. J'ai dit, pourquoi? Non, parce qu'on ne voit jamais. Est-ce que c'est de ma faute? Oui, c'est pas de ma faute, mais pourquoi ça tombe sur moi? J'ai dit, mais c'est tombé sur toi où? C'est pas tombé sur toi. C'est tombé sur nous tous. Bref, pour vous dire que, on peut être confronté à beaucoup de choses. Vous voyez, hein? Quelque chose qui n'est pas de ma faute. Donc, moi, j'ai qu'à laisser mes bagages qui arrivent ici. Je ne sais pas quand ça arrive d'ailleurs. Et puis, on va aller se promener dans le Ohio. Oui, on va aller se promener là-bas. Et moi, maître, non. Dans le temps-là, on ne pense pas. Ça veut dire, eux, ils ne pensent pas aux autres, aux parents. Eux, ils pensent qu'à eux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on a dit... Oui, les enfants de l'Europe avec la crise d'adolescence, c'est là que les Africains, ça dit, les Africains se cognent la tête tout le temps. Ça dit, essayer de toujours, ça dit, ramener les choses de la vie vers les autres. Mais la crise d'adolescence, c'est une crise qui arrive, même chez nous, les enfants ont les crises d'adolescence. Maintenant, comment essayer de gérer ça? Là vient le problème. On en a parlé, au lieu qu'on essaie de faire un peu sensibiliser les gens sur le problème. Ça, oui, c'est ça, comme je dis, on est... Moi, je suis une blogueuse, à tout moment, je peux être en direct. Vous comprenez? Tout ce que j'ai vu, on s'en est débarrassé, on a dit non, les enfants de l'Europe. Non, 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 non. C'est là que toujours, on se casse la gueule, nous, les Africains. La crise d'adolescence, ce n'est pas une affaire d'enfants d'Europe. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a des mécanismes pour essayer d'aller régler les problèmes que les parents ont avec des adolescents dans les maisons, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident. Mais quand on nous chicotait en Afrique, et puis on avait 16 ans, ou bien quoi, et puis on partait se promener, et puis on nous chicotait là-bas, ou bien on fuit de la maison, on faisait des fugues là. Tout ça, c'était quoi? C'était de la crise d'adolescence. C'est juste que là-bas, les parents prenaient ça durement. Sinon, là-bas, il y a les crises d'adolescence que font des enfants, des jeunes filles, des petits garçons. Vous comprenez? Donc, ce problème-là, il faut qu'on le regarde. Mais les crises d'adolescence se manifestent comment? Ça peut se manifester par le langage. Les enfants peuvent avoir des langages ou bien par le comportement. Des enfants qui ne sont pas agressifs, ils vont commencer à se replier sur eux. Comment on dit ça? Est-ce que j'ai épinglé? Bertine Payet, c'est toi qui m'as envoyé des étoiles. Merci beaucoup. Ouais, le numéro est bien épinglé. Oh là là, c'est quoi ça? Annuler quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça bloque. À vous, les jeunes invités. Non. Excusez-moi, j'ai un petit problème là. Pourquoi ça fait ça? Bon, vous comprenez? Je vois pas les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Vous comprenez? Donc, ça se manifeste comme la crise d'adolescence avec des enfants. Il y a des enfants, quand ils sont pas contents, ils vont se replier sur eux dans les maisons. Ils sont comme ce que Wendy fait, le boud, elle fait tant, tant, tant. Mais il faut, si l'enfant est dans ce genre de comportement, il faut toujours revenir à l'enfant. Oui, c'est ça. Il faut revenir à l'enfant pour lui dire, oui, je comprends. Je comprends ta colère comme ce qu'elle vit en ce moment. Je comprends, tu aurais voulu aller aux États-Unis pour les vacances. Mais ma chérie, je ne sais pas que je ne prends pas ce que tu dis en compte, mais c'est juste que la réalité est tout autre. Il faut que parents et enfants, vous soyez un. Vous comprenez? Il y a d'autres maintenant, comme j'ai dit, par le langage ou bien ça, par le repli sur soi, comme ce qu'elle fait en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose sur mon écran là. Mais
Mes amis, vous êtes là, l'écran a figé, je ne sais pas pourquoi. Oh la vache. Donc, c'est ça. Il y a des enfants aussi qui vont commencer à être agressifs, hein, qui vont commencer à passer du temps dehors. L'enfant, tu sais à quel âge l'enfant rentre habituellement. Tu vas voir que cet enfant-là, il commence à rentrer, soit souvent avec des excuses. Non, j'avais fait sinon. C'est à toi, le parent, d'ouvrir grand les yeux pour comprendre que, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est rendu comme ça. Discuter, remettre le sujet sur la table chaque fois jusqu'à ce que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Vous puissiez trouver un consensus. Le consensus que vous allez essayer d'aller trouver, ce n'est pas pour donner nécessairement raison à l'enfant. Non, on n'est pas ici pour donner nécessairement raison, mais essayer de comprendre aussi. Mais très souvent avec nos parents en Afrique, c'est ça qu'on ne fait pas. On n'essaie pas d'aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Pourquoi l'enfant est rendu comme ça? On s'est dit non, l'enfant doit subir. Moi, c'est avec ça que j'ai de la misère. Oh que oui, 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 j'ai bien de la misère avec ça. Les parents, ça dit carré dans la tête. Des parents avec les mentalités barricadées là, qui se disent non, moi mon papa avait fait ça, moi ma maman avait fait ça. Excusez-moi là, moi de mon temps, tout ce que mon père m'avait fait, j'ai pas tout apprécié. Tout ce que ma mère m'avait fait là, j'ai pas tout apprécié. Mais quoi qu'on dise là, de mon temps là, moi je vais toujours discuter avec mon enfant. Je vais toujours expliquer à l'enfant le comportement que tu es en train de faire. Voici les risques qui viennent avec ça. Oui, parce qu'il y a des enfants, par exemple, quand ils sont mécontents, quand ils sont dans cette crise d'adolescence-là, ils vont aller faire le vol à l'étalage. C'est-à-dire quoi? Là, il y a tout à la maison. Hein. Il peut aller dans un shop là-bas. Il va aller voler un sachet de bonbons là-bas. Tout ça pour t'énerver, pour te faire péter les nerfs. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes confronté à ce genre d'enfant-là, il faut poser. Ça t'énerve souvent, ce comportement-là. Ça t'énerve. Mais il faut poser bas la terre. Il faut dire, on va se calmer. On revient toujours à la discussion. Comme j'ai dit, un enfant qui commence à en faire trop, toi, le parent, tu as le droit de manifester ton autorité sur l'enfant. Je suis en train de vous parler de la crise d'adolescence, tout ce qui peut venir avec. Comme on dit dans notre jargon de l'éducation, quand l'enfant t'a manqué de respect, si tu es assis, il faut que tout de suite tu te lèves pour qu'il comprenne que ça, ça ne passe pas. Si tu étais levé, il faut que tu t'assis pour dire à l'enfant, ça, ça ne passe pas. Voilà. Donc, les parents, vous, si vous êtes confrontés aux crises d'adolescence avec les enfants, il y a toujours des ressources autour de vous. Je répète ça 1000 fois dans mes vidéos. Je vois des parents ici souvent qui me rendent l'impacteuse. Ma fille a 14 ans, j'ai tel problème. J'ai dit, tu me suis depuis quand? Non, ça peut faire un an. J'ai dit, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a des ressources. Ne laissez pas que le système vienne à vous. Comme je le répète, quand ce système-là, il vient là, il ne vient pas pour toi en tant que parent. Ce système-là, il vient parce que lui, il est là pour la protection de l'enfant. Et nous autres là, nous sommes du côté de ceux qui protègent les enfants. Même si parfois ils s'y prennent de la mauvaise façon, même si parfois il y a des abus, même si parfois il y a des frustrations que certains parents subissent face à ce système-là. C'est pour ça que moi, je vous encourage toujours. Ah, mon gros gré, on n'est pas au village ici, hein. C'est au village, on dit, oh, l'enfant n'a pas de parole. C'est au village, on dit, non, c'est moi qui suis le parent, j'ai décidé, ça finit la bagne. Avant, gros gris. Voilà, ici, on discute avec l'enfant. On essaie d'apaiser ses craintes. Parce que ces adolescents que vous voyez, ils sont dans un processus de développement encore. Ils sont en train de passer de l'âge, comment on appelle ça, de l'âge toujours mineur à l'âge adulte. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent. Il y a beaucoup de bouleversements. Ils n'ont pas la même vision des choses que nous. Moi, il y a des choses, ma fille me dit souvent, je suis là, elle dit, hey, la gosse, ça là, du temps de mon père, est-ce que tu peux dire ça? Du temps de maman, tu ne peux pas dire ça. Mais on t'a dit, on s'est dit que bon, c'est normal, c'est comme ils ont dit dans leur tête. Donc bon, c'est à toi d'essayer de voir comment tu peux essayer de prendre les bouts. Donc, c'est ce que je tenais à dire à ce sujet-là. J'espère que la mère des enfants, Arafat, j'espère que tu essaies de... Ça s'arrange entre toi et les enfants là-bas. Parce que nous, on est dans le milieu de l'éducation. On sait comment des crises d'adolescence peuvent faire. Et puis souvent, des enfants même posent des actes. Et puis demain, ces enfants-là même, eux, ils regrettent. Mais pourquoi je n'ai pas écouté mes parents? Mes amis, mon direct, il y a quelque chose sur mon écran qui est figé. J'espère que vous partagez ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est très important. Maintenant, on va rentrer dans le deuxième volet.
Avant tout, on va prier pour cette dame. On va prier pour cette maman, pour cette mère de famille. On va prier pour maman bleue Brigitte parce que, bon, oui, la grande soeur bleue Brigitte, on prie pour elle, pour que sa santé s'améliore. Voilà, c'est ça. Parce que quand on a des... Je peux imaginer comment je vais me sentir. Hier, c'est ce sentiment que j'ai vécu. Comment Apoutou a pu se sentir quand on l'a appelé ou bien quand il a vu. Bon, je suppose qu'on l'a appelé avant que les images apparaissent sur les réseaux sociaux. De voir sa maman dans cet état-là. Vraiment, toutes nos prières vont vers cette famille-là, pour ces moments que vous traversez. Monsieur Agbré, tout et tout, Apoutou, on prie pour toi. Que le Seigneur vous assiste dans ces durs moments-là. C'est ça la vie de star, quand on veut devenir star, c'est ça, hein? J'ai vu quelque part où tu as dit, s'il vous plaît, enlevez les photos de ma mère sur vos pages. Ça m'a touché vraiment. C'était vraiment touchant. Mais c'est ça, malheureusement. Donc, ensemble, on doit prier. Et non, aller chercher. Eh, Lago. Amunia. J'ai vu des vidéos hier où on dit son fils est harcelé. C'est pour ça que elle a piqué cette crise-là. Are you serious? Je m'abstiens de dire certaines choses. Prions pour cette maman-là. On n'a pas besoin de cette polémique-là. On n'a vraiment pas. Oui, c'est vrai, le stress. Comme a dit mon médecin à l'époque. Oui, je vais le dire. Moi-même, ma mère, elle est en surpoids. Ma mère est en surpoids. Hein. Ça, je le dis. Je lui dis ça toujours. Quand l'indice de masse corporelle, vous savez ce que c'est? On appelle ça le IMC. Il a payé 115 kilos, donc je sais de quoi il vous parle. Quand l'indice de masse corporelle dépasse 30, là, le stress mis dessus, ça représente un facteur de risque. Donc, Madame Bleu Brigitte est en bon point comme moi, ma maman est en bon point. Donc, quand c'est comme ça, là, un petit truc, ça peut faire que, ça dit que tu peux avoir la tension qui monte tout de suite parce que tu es en surpoids. Donc, il y a un facteur de risque qui est déjà là. C'est ça, on va venir chercher sorcier de qui a fait ça. On va venir chercher... Sorcier de, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça. S'il vous plaît, nous on veut respecter la famille dans sa douleur. Que le Seigneur vous accompagne, qui l'aide à ce qu'elle se remette. On n'est pas ici pour souhaiter le malheur de personne. Si le pire était arrivé, qu'est-ce qu'on allait voir sur nos pages ici? C'est pas rip, rip, rip. Donc le pire n'est pas arrivé, donc qu'est-ce qu'on fait? On prie, on se met ensemble pour accompagner. Cette famille-là dans la douleur qui traverse, et non, venir chercher qui est à la base de ça. Anyway, je m'arrête là. Maintenant, on va rentrer toujours dans les choux gras. Oh que oui, oui, oui. Partagez mes amis. Est-ce que j'arrive pas à voir vos commentaires? Attends, je vais diminuer d'abord. Attends, qu'est-ce qui se passe? La petite page a figé. J'arrive pas à voir vos commentaires. Oh, Amia. Ici, je vois vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont jusqu'à 400. Je vois. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Arrêtons de chercher les coupables. Arrêtons. C'est ça? Les malaises, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver comment. Mais quoi qu'on dise là, elle était déjà vu sa corpulence, elle est prédisposée à ça. Je le dis, oh, c'est pas pour rabaisser quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est ça. Quand vous voulez pas qu'on vous dise la vérité, et puis on allait chercher les coupables, quelque chose arrive, on va prier, on peut pas accepter. Ça dit, ça fait plaisir à qui de voir une maman dans cette position là, comme ça. Ça fait pas plaisir. Donc si c'est arrivé, ben on prie et puis on donne des conseils. Voilà, c'est ça qui est ça. Donc arrêtez de dire que on a fait ci, on a fait ça. On n'a pas, il n'y a pas personne qui a fait quelque chose à quelqu'un ici. Vraiment, vraiment la grande dame, Madame Bleu Brigitte, on souhaite que tu te relèves et puis bon, tu vas revenir toujours accompagner ton fils. Et capite, partagez le direct, mes personnes. Je vois que vous êtes là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais oui, en Afrique, on dit c'est ce qui est joli. Hein? Aoulaba, là.
C'est ça on dit, non? Mais à Oulaba, il y a conséquence derrière. Hein? Là, il y a la haute pression. Quand tu en suis pas, il y a la haute pression. Moi-même, ma maman, quand elle la voit toujours dans les vidéos, je lui dis, maman, je vois que tu es enchantée de grossir. Fais attention à toi là-bas. Parce que quoi qu'on vous dise, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Tu as dépassé 40 ans là. Le surpoids est un facteur de risque. Claire? Ah, ça, c'est injuste encore. C'est pas injuste ce que je t'ai dit. Hein? Tu as dépassé 40 ans. Tu crois? Même mes soeurs, je les interpelle là-bas. Je dis, tu es en train de prendre du poids. Fais attention à toi. Aïe, comme dit mon médecin, un jour, il m'a dit, c'est quand je pesais mes 115 kilos, il dit, mais vous savez que plus vous êtes en train de grossir, le cœur grossit aussi, hein, les organes aussi prennent du poids. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vous sentir bien au niveau de la respiration, la pression. Vous pouvez avoir des problèmes de tension, tout et tout. On va venir chercher sorcier ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectons les gens dans leur douleur. Ma maman, elle, c'est quand elle vient au Canada, elle veut faire régime sur ma tête. Quand elle vient ici, là, non? Est-ce que tu peux frire mon poulet, huile d'olive? Est-ce que... Elle vous fait ça, non? Quand elle arrive chez vous, là. Quand elle vient chez vous, elle veut se jouer les chocos. Maintenant, dès que... Je ne sais pas si c'est passé, je vais l'interpeller, elle me dit ça. Non, maman, tu peux le soir, moi, une salade. Moi, ça me fait plaisir. Maintenant, quand elle arrive là-bas, là, elle fait parler de pourquoi on n'a pas pillé son foutu et son graine là-bas. En tout cas... Que Dieu garde nos mamans en santé, toujours. Parce qu'elles sont compliquées aussi. Mais malgré ça, on les aime. J'ai dit, Eka et Peter, la saga continue. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tant que vous mettez, nous, on venir parler. Parce que je ne suis pas allée chercher ça dans vos maisons. Des ex qui se séparent. Qui rit ici, là? Il y a quelqu'un qui rit ici. Ah, vous voyez ça là? Ça, c'est ma machine. Hein? Moi, quand je parle mes choses là, moi, je ne mens pas. Les fritures, les trucs comme ça là. Tout ce qui est mangé qui est doux dans la bouche, il y a problème derrière. Manger quand c'est trop doux là, bien frit. Mais c'est comme aux États-Unis ou bien dans nos pays développés ici. Les fast-food là, quand tu manges là, c'est bien doux dans ta bouche. Donc, mais c'est qu'ils ont mis dedans et puis c'est doux là. Toi, mais tu connais. Voyez-vous, moi, je ne fais plus friture dans ma maison. Manger en frit là. Tous mes trucs là, ça passe au four. Vous voyez, non? Voici mon appareil qui est là. Je sais que vous connaissez ça. Hein? C'est juste pour montrer. Souvent, quand il monte d'autres après, mais regarde les pâtes. Moi, je ne savais plus. Par exemple, moi et puis ma fille là, nous, on est prédisposés à grossir. Moi, il y a grossi dans ma famille. Toutes mes soeurs là, elles sont grosses là-bas. Nous tous, on était grosses même. C'est moi-même et au Canada. Bon Dieu, merci. Si au Canada, ça m'a aidé à maigrir. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, Wendy aussi, elle est en train de venir derrière moi. J'ai dit, ça là. Toi aussi, tu aimes manger grillé là. Il a coupé les fritures. Il a coupé les fritures. Voilà mon appareil qui est là. Ça là. Ça, c'est sans huile. Je mets mon poulet dedans. Je mets tout ce qu'il veut dedans. Ça soit bien croustillant, sans huile. C'est pas cher. Il n'y a plus de fritures dans ma maison. Parce que je connais les conséquences de ça. Moi, il vient de dire pour moi. Oh. Donc, vous êtes encore là pour nous donner du travail. Ah, ils sont montés. Merci beaucoup à vous. Merci. Oh, c'est gentil. Partagez le direct. J'ai vu le direct ici. Vous êtes là. Partagez. Ah, Léa Diane Gossé. Ça sort sans Julien. Que ce soit les fritos. Tout ce que c'est, il dépose dedans là. Ça sort croustillant. Au début, là, quand il est déposé ici, on fait un visage façon. Il a dit, ça là, vous allez vous adapter à ça. Il n'y a plus de friture ici. Voilà. Si ce n'est pas ça, je mets directement au four. Bon, l'été, c'est les barbecues. Pourquoi on fait ça? C'est pour la santé? Ah, c'est ça qui est là. C'est moins cher. C'est pas cher ici. Ça m'a coûté combien dans le temps où j'avais payé? Je crois 100 dollars. Ça ne coûte pas cher. Voilà. C'est quand même... Kaswali Kaya, il dit je ris seulement. Bon, vous avez Pipita Eka. Hé, Lago, vraiment les réseaux sociaux. On s'est séparés maintenant. C'est là, on est arrivé sur ce chapitre-là. Moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit ce qui est en train de sortir sur toi. Ah oui, oui, oui. On le dit dans notre code, mais ce qui sort sur toi en ce moment-là, il paraît que tu as des tendances. De toxicomanie.
La star, je n'ai même pas dit ton nom ici, mais c'est la star des gens. C'est ce qui est là. C'est ce qui te l'a dit ça en code. Mais moi, je te dis ça ici. On dit que tu prends la chose là. J'ose croire que c'est faux. Ça j'ose même pas. J'ose pas tabler dessus parce que c'est des accusations très graves. Tu as des enfants mineurs. Donc, je veux même pas. Ça dit, mon esprit refute ça. Ça, je rejette ça. Parce que, anyway, c'est terrible là. Ça, non. Je veux même pas. Je ne vais même pas en parler. Ok. Vous êtes Mougou. L'autre s'est déshabillé devant l'autre. Vous avez fait le love ici. Vous parlez, vous deux aujourd'hui. Vous avez fait le spectacle. Vous avez donné le spectacle à ceux qui voulaient avoir le spectacle. Peter, qui était le coach par circonstance, il était devenu coach. Des femmes aussi partaient appeler dans son direct là-bas pour demander conseil. Comme on demande, là, vraiment les réseaux sociaux. Amouignan. Non, il a changé. C'est pas ce qui était là, c'est pas ça qui est là aujourd'hui. Bon, dans son cas, je n'ai pas dit que... Je vous parle, vous deux, parce que quoi qu'on dise là... Bon, madame qui a dit que tu avais pris congé sabbatique. Congé sabbatique est devenu un mois déjà fini. Dans un mois déjà fini, on vient remettre les conversations qu'on a eues dans l'intimité. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Peter aussi qui sort ici. Pour donner pour lui. Ça c'est... Ça y est. Là encore. C'est la guerre après l'amour ou bien quoi. Vous avez eu des instants heureux ensemble. Qu'est-ce que... Ça dit... Il y a quel problème, Peter? Qu'est-ce que tu réclames? Attends, ou bien c'est les 5 000 euros là. C'est ça qui te fait mal? Bon, et Kato aussi... Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, on ne peut pas se laisser où on s'est pris là. Oui, c'est vrai, hein? Vous êtes pris sur les réseaux sociaux. Mais l'amour est fini. Vous tournez la page. Hein? On peut venir pour donner les détails de comment c'était. J'ai payé tant pour toi. C'est trop enfantin, ça. Vous comprenez? C'est trop enfantin. Hein? Mais vous avez dit que vous étiez un bon couple. Vous avez donné l'exemple ici. Donc, comme je l'ai dit, c'était un couple truffé de mensonges. La preuve, tout ce qu'on a vu, bon, après, chacun est venu dire ce qui ne marchait pas. Surtout Peter. Mais tu es un homme quand même, prends de la hauteur. Tu n'es pas venu détailler, je comprends. Cette expression, tu es un homme, vous allez dire, mais un homme, c'est pas un être humain. Le temps d'avant dans lequel on était là, aussi, quand les femmes, on s'est séparées, les hommes, tout ce qui s'est passé là, ça reste dans notre intimité. Très souvent, c'est les hommes même qui partaient dire. Mais aujourd'hui même là, les femmes aussi sont en avant. Hein? Des femmes se séparent des hommes. Elles viennent, elles se mettent aussi en avant pour exprimer ce qui s'est passé, pour expliquer les secrets que vous avez quand vous étiez en couple. C'est pas, vraiment, c'est pas digne des adultes, s'il vous plaît. Peter et Kat, je vous parle, vous deux ici aujourd'hui. C'est pas, attends. Ça répond à quel besoin? Peter, qu'est-ce qui te fait mal? C'est les 5 000 euros que tu as perdu ou bien c'est quoi? Hein? Mais, crédit de con là, ça finit pas. Hein? C'est crédit là qui est là. Ton argent a été gaspillé, mais tu étais dans la relation aussi, et puis il a été gaspillé. C'était à toi d'être wise, à toi d'être allumé. On avait parlé, tu as voulu vivre ton expérience, donc tu as vécu l'expérience. Mais si ça n'a pas marché, ben écoute, on tourne la page et puis bon, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous donner du travail chaque jour comme ça. Hein? Chaque jour. Hein? Ah, bon, là, en tout cas, j'ai l'impression que là, personne n'a fait de son argent, là, lui fait mal. Parce que c'est l'affaire de l'argent qu'on voit. Oui, tant, vraiment, vraiment. Bon, c'est fini, mon frère. Hein? Il y a ni mobo que. Quand on dit il y a ni mobo, c'est gâté, c'est fini. Hein? Tourne la page. Hein? Bon, et quand tu l'homme avec lequel tu es sorti, tu viens l'insulter. Ça, c'est des comportements à éviter. Bon, tu viens insulter un garçon avec lequel tu es sorti, que tu as mis en haut ici. Tu viens l'insulter. Et si lui aussi, il sort tout de suite pour t'insulter, les féministes. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas féministe. Il a déjà dit pour moi depuis longtemps. Moi, je ne suis pas une féministe. Les féministes vont sortir, ils viennent insulter une femme. Bon, votre star
tout de suite là. Là, si longue lettre de Mariama Ba qu'elle a déposée sur les réseaux sociaux. On dit c'est sur les Snapchat là-bas. Nous, on n'a pas Snapchat. On ne sait pas où on passe pour aller là-bas. C'est là-bas qu'on a déposé la si longue lettre de Mariama Ba là. Et puis, c'est revenu sur Facebook ici dans le gros village. Les injures qui sont proférées dedans. Est-ce que vous lui parlez aussi là-bas? Pour lui dire que oui, notre star, tu es notre star, hein? Mais il ne faut pas l'insulter tout et tout. Elle est en train de l'insulter, lui dit tout ce que... Mais j'ai dit, si tu... Bon, un homme qui est déjà déshabillé devant lui, tu as l'insulter publiquement. Ça veut dire que c'est toi-même qui te dégrades. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous avez des enfants de part et d'autre. Regardez tout ce à quoi on assist sur les réseaux sociaux. Hein? C'est pas possible. On veut que on... Peter qui est là. Peter, lui, il est comme on dit chez nous, Kunaba Nangre Nimo. Vous voyez le vase de nuit, la Kunaba. Son nom est déjà gâté depuis longtemps. Parce que lui ne reçoit pas quelque chose aussi, c'est pas caca. C'est ça qui a fait de Peter là. Même s'il a raison, on ne va jamais lui donner sa raison dans toute son entité. Tu comprends? Parce que son nom est déjà gâté comme le Kulaba. Qui sait qu'aller faire les toilettes. C'est ça qui est Peter là. Sinon, ce qui est en train de se passer là. Peter a fermé sa bouche. On a vu une photo même où on dit qu'il a rejoint ses amis. Il est retourné à son ancien combat. Mais on est quitté dedans maintenant. On dit que bon, on s'en se reposer. Congé sabbatique un mois. Déjà, tu t'en vas, c'est sur les Snapchat et autres là-bas, tu t'en as déposé les messages. Je ne sais pas qui a déposé les messages là, premier. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est à vous deux que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à vous deux. C'est pas possible. On se sépare, mais ça a donné la guerre. Après, on dit que nous, on aime que... Lucky Mani est là, comment vas-tu? Après, on va dire que nous, on aime faire papato, mais c'est notre rôle qui est là. Parler de tout ce qui vient sur les réseaux sociaux, si ça nous tente, ok, vous comprenez, hein? Si ça nous tente, on vient, on en parle. Si ça ne nous tente pas, il y a des âmes. Ça, même le sujet au-delà, ne m'intéresse pas, il ne parle pas de ça. Donc, sachez que si Peter et Eka, ils viennent chaque jour pour parler, nous, on sortit aussi chaque jour pour parler, si ça nous tente. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tant de haine pour si peu entre vous là-bas? Des deux côtés, pourquoi tant de haine? Hein? L'amour est fini. Tu as perdu ton argent. Bon, aujourd'hui, on est rendu là, des deux côtés. Chacun dit, j'ai donné l'argent. J'étais nourri quand on était à Saint-Tropez. Mais vous avez fait la vie de rêve. Amonia. Et toi, on dit, voilà, ça, on dit que tu n'avais pas l'argent. Donc, vous étiez allé même à Saint-Tropez. Je vois que Saint-Tropez, là, ce n'est pas pour des gens qui ont une situation financière stable. Ce n'est pas eux qui vont là-bas. Ce n'est pas eux qui s'en vont là-bas dans des coins comme ça. Tout ça, on était venu pour faire rêver les gens sur les réseaux sociaux. Et... C'est pas possible. Ah, d'accord, je ne sais pas comment ça a commencé. Parce que par là, on n'avait pas commencé dans le gros village ici. On dit c'est sur Snapchat là-bas. Maintenant, qui allait déposer là-bas premier? Ça, je ne sais pas. Quoi qu'on dise, Peter aujourd'hui, là, ses alliés auxquels ils ont donné aussi ces choses là-bas pour venir parler. Vous comprenez? Peter, il faut prendre de la hauteur, s'il te plaît. Je te parle aujourd'hui. Je sais, cette phrase, tu es un homme là, c'est pas... Ouais, quand on dit ça, très souvent, on aime le dire, mais parfois, on n'a pas le choix de le dire, même si c'est pas correct. Tu es un homme, je sais que tu as un cœur. Tu as une dignité, je le sais. Mais prendre la hauteur à tout ce qui arrive là. Bon, on a dit qu'on t'a envoyé, on t'a convoqué à la justice. Bon, anyway, des trucs, hein, nous, on ne va plus croire à ça. C'est quel dossier de justice même qui a abouti sur Facebook? Il n'y a même pas quelque chose qui a abouti. Il y a eu beaucoup de plaintes sur Facebook, hein, mais zéro aboutissement. L'infini en direct m'a insulté au Canada ici, là. Ça a pris 2 semaines. Est-ce que ça a pris 10 jours même? 10 jours, tac, 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 quand il a reconnu lui-même là, après moi, il a dit bon, comme ça, sa femme suppliait, il a dit bon. Mais le dossier, les trucs de Facebook là, les plaintes là, il me dirait, ça va pas quelque part là-bas. C'est ce qu'elle a remarqué. Ben, il y a eu beaucoup de plaintes. Bon, elle t'a convoqué, elle t'a pas convoqué, mais attendez, vous allez aller à la justice là-bas. Hein? Vos avocats vont aller parler là-bas. Hein? Arrêtez de nous donner le travail comme ça, s'il vous plaît.
t'es beau. Le beau, toi, le grand beau Peter, on t'a mis en haut ici. Hé, hey, là, quoi. À manier, Facebook. Là. Comme dit une de mes impactées très très fortes, la mère, elle dit, les Ivoiriens, vous êtes des spectateurs. Vous êtes des acteurs, nous sommes des spectateurs. Donc, comment on fait dans ma famille, là, c'est quand tous les Ivoiriens vous êtes. Hé! Mais ça, c'était un spectacle. Puis, tu étais devenu, tu étais devenu bon. Pour reconnaître aussi que, et quand aussi, tu as arrangé un peu, tu étais devenu bien, hein, bien manicuré. Bon, les rares vidéos que nous, on voyait passer, il dit, Peter est mort là, c'est Peter qui est là. Ah oh, l'homme n'est rien, hein. T'étais un choco, faut reconnaître qu'elle a quand même fait pour toi. Hein, oui, hein, au-delà de tout ce que tu peux lui reprocher, c'est que si elle t'a fait quelque chose là qui te fait mal. Mais t'es quand même marrant, t'étais des choco, t'étais un propre quand même, non? Hein? Donc faut regarder tout ça. Vous deux, vous étiez dans le bafotage. Vous deux là, vous étiez dans un film. Go, ni mon pire, comme on dit dans mon dialecte, ni mon pire, ça y est, il y a les choses sur la terre. Peter est devenu un coach. Peter voulait prendre la place de coach et monde. Il voulait être comme. Il y a un jeune qui fait du coaching là, conseiller Andy. Peter voulait être comme conseiller Andy. Les gens appellent. Allô. Ça, c'est dans les directs maintenant. On prend plein de spaghettis, on dépose. Là, bon. Madame a fait le plat de spaghettis. Elle est venue déposer devant lui. Nous, on boit café tous les matins. Je viens de prendre le café. Ça vous fait mal. Elle, là-bas où on mangeait un plat de spaghettis, on a déposé le plat de spaghettis et puis on ne mangeait pas. Maintenant, on appelle. Peter donnait des conseils. Quel conseil il vous donnait là-bas? C'est un conseil qu'on vous a donné quand finalement on est parti créer trois casquettes pour vous. Ça dit, on ne savait pas que Palab allait venir. Donc, on s'est dit, bon, comme actuellement, ils nous voient bien, nos abonnés nous voient bien, tout et tout, on va aller créer. Quelque chose de une maman de trois casquettes de tatata. Bon, je suis désolée là, mais écoute, c'est vrai. Non, mais il y a des choses sur les réseaux sociaux. Qui est-ce? On appelait dans le direct de Peter pour expliquer les problèmes qu'on vit dans un couple. Mais attends, il n'a fait aucune formation de coaching, rien. Elle aussi, elle était déjà partie dans des échecs en échecs. Et le couple s'est retrouvé. C'est un couple qui devait, ça dit, vivre hors des réseaux sociaux discrètement leur vie de couple. Si chacun veut faire son direct, il sort. On a fusionné la page maintenant. C'est Peter qui était de. Hey. Ah yo. Bon, je vais conclure. J'ai assez ri ce matin. Je vais conclure. Et capiteur, prenez de la hauteur. C'est que si l'un a fait quelque chose à l'autre qui fait mal, c'est pour ça que ça finit pas. Prenez de la hauteur, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, prenez de la hauteur. Et car, reste, je sais pas. Je sais pas si on te donne des conseils là-bas, mais rentre pas dans ça. Venez détailler qu'est-ce que tu as fait pour lui, tu as acheté quoi pour lui, ben. Tu achetais, c'est parce que vous étiez en amour. Voilà, quand on est en amour, là, on achète, non? Donc, c'est ça. Ouais, j'ai laissé. Non. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est pas possible. Ouais, c'est... En tout cas, il me reste 5 minutes, là, je vais raccrocher. D'abord, mais j'ai de la misère pour éteindre ce téléphone. Je vais l'éteindre comme ça. Et puis couper le direct comme ça. Ouais, ça marche pas. Mes amis, partagez le direct. Hein, je vois, vous avez partagé à combien même? Partagez le direct. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Les États-Unis, justement, je vais vous expédier vos pagnes. Voilà. Vous qui avez commandé aux États, comme je suis en train de dire, là, le voyage est en bizarre là.
Voilà, donc vos pagnes. Aujourd'hui, déjà, je vais expédier. Par exemple, là-bas, c'est des dames sûres. Des dames qui sont déjà prêtes à me faire les transferts. Mais je vais expédier ça. Et puis, on va se rejoindre dans le inbox pour que je vous dise combien ça fait. Par exemple, je ne sais pas. Étant donné que vous êtes dans différents états, je ne sais pas combien ça va me coûter. Mais le monsieur, il va descendre du travail ce matin. Et puis, bon, il va aller faire... Ah, aujourd'hui, c'est du pâté. Attends, je vais mettre le four en marche déjà pour mettre le pâté au fond. Voilà, donc je vais vous expédier vos affaires déjà, puisque j'ai toutes vos adresses. Ma chérie, toi qui étais dans l'Ohio, qui m'avais rejoint, maman, j'ai perdu ton adresse. Oh. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ça se fait pas. Venez exposer ce qui s'est passé. Tout et... Non, s'il vous plaît, arrêtez. Hein, c'est vrai, hein? Nous, on est là pour parler de tout ce qui vient sur la toile. Ça, c'est clair. On est là pour parler de ça, mais à un moment donné, c'est pas intéressant. Prenez de la hauteur. Eka, prends de la hauteur. Peter, toi aussi. Pas mon André Kiki. Hey, le coach, il faut penser. Donc, si une de tes abonnés venait t'expliquer un problème qu'elle vivait de ce genre, toi, tu allais donner quel conseil? Hein? Ou bien un de tes abonnés, puisque tu étais devenu le coach, le remplaçant de coach Monde. Hein? Il venait t'expliquer. Tu allais lui dire non, mais c'est voice sur les réseaux sociaux. Tu allais lui dire non, tu es un garçon, il faut prendre la hauteur. C'est ce que tu allais dire. Donc, continue comme ça. Toi aussi, il faut faire comme ça. En tout cas, je vous aime, il est l'heure pour moi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je suis obligée d'éteindre le téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Merci, bye. Ciao. Le téléphone peut figer comme ça, c'est pas d'allure?